Ski. Incendie de Wajdi Mouawad. Nawal, prends-moi la main, Nawal. Il y a des choses que l'on a envie de dire au moment de la mort. Des choses que l'on aimerait dire aux gens que l'on a aimés, qui nous ont aimés. Leur dire pour les aider une dernière fois, les armer pour le bonheur. Voilà un an. Un enfant est sorti de ton ventre. Et depuis, tu marches la tête dans les nuages. Ne tombe pas, Nawal. Ne dis pas oui. Dis non. Refuse. Ton amour est parti. Ton enfant est parti. Il a eu un an, il y a quelques jours seulement. N'accepte pas, Nawal. N'accepte jamais. Mais pour pouvoir refuser, il faut savoir parler. Alors arme-toi de courage et travaille bien. Écoute ce qu'une vieille femme qui va mourir a à te dire. Apprends à lire, apprends à écrire, apprends à compter, apprends à parler, apprends. C'est ta seule chance de ne pas nous ressembler. Promets-le-moi. Je te le promets. Ils m'enterreront dans 2 jours. Ils me mettront en terre, le visage tourné vers le ciel. Sur mon corps, ils lanceront chacun un seau d'eau, mais ils ne marqueront rien sur la pierre, car aucun d'entre eux ne sait écrire. Toi, Nawal, quand tu sauras, reviens et grave mon nom sur la pierre, Nazira. Grave mon nom, car j'ai tenu mes promesses. Je m'en vais, Nawal. Pour moi, ça se termine. Nous, notre famille, les femmes de notre famille, sommes engluées dans la colère depuis si longtemps. J'étais en colère contre ma mère, et ta mère est en colère contre moi, tout comme toi tu es en colère contre ta mère. Toi aussi tu laisseras à ta fille la colère en héritage. Il faut casser le fil, alors apprends, puis va-t'en. Prends ta jeunesse et tout le bonheur possible et quitte le village. Tu es le sexe de la vallée, Nawal. Tu es sa sensualité et son odeur. Prends-les avec toi et arrache-toi d'ici comme on s'arrache au ventre de sa mère. Apprends à lire, à écrire, à compter. Apprends à penser, Nawal. Apprends.